écoutez, j'ai décidé de faire ces casses en pédagogie médicale car j'ai toujours aimé l'enseignement. Ça, c'est la base. C'est vraiment ma motivation principale. Le problème, c'est que j'ai l'impression de me baser sur des principes un peu faits maison, des conseils des assistants d'expérience. Je m'ai basé sur mon expérience personnelle pour diriger un peu les étudiants, pour les coacher. J'avais toujours ce sentiment de « homemade ». Et quand j'ai découvert qu'il existait ce CAS, je me suis dit « tiens, ça c'est la formation vraiment qu'il me faut ». J'avais vraiment ce besoin de justifier scientifiquement mes enseignements et mes techniques. Et c'est enfin ce que j'ai trouvé pendant ces 2 ans de formation. On a suivi énormément de cours des ordres de théorie, toujours accompagnés par des ateliers pratiques qui nous ont immédiatement immergés dans la thématique. On a touché l'organisation, la structure d'une formation. On a appris à donner un feedback. On a aussi abordé les thèmes de sauvetage des étudiants en difficulté, thème qui me tient particulièrement à cœur. Je n'ai jamais regretté, malgré le fait que c'était quand même difficile de concilier un peu la vie professionnelle, familiale et en rajoutant ces casques. Jamais regretté de l'avoir fait. Je les conseille d'ailleurs à tous les enseignants. J'ai appris énormément de techniques, de tips, tricks, de références, de la littérature qui maintenant m'accompagne pendant mes enseignements. Je me sens un enseignant maintenant prêt, accompli et de nouveau motivé dans cette mission. Innovant, concret et motivant.